Bonjour à tous et à toutes, c'est réception du jour. Pour aujourd'hui, une nouvelle réception tout simplement. Ça faisait quoi, 2 semaines que j'avais pas reçu quelque chose parce que je travaillais plus et tout, donc j'avais plus d'argent. Là, j'ai commencé à retravailler, donc je vais me refaire un peu d'argent. Donc aujourd'hui, j'ai commandé sur urbancenter.fr. Alors, je vais pas pouvoir vous faire le montage pour vous donner le site du lien sur la vidéo elle-même. D'ailleurs, là, je prends la vidéo avec ma A-Camera, donc sur la PlayStation. Donc, vous voyez à quel point c'est un petit peu chaud. J'ai commandé ça sur urbancenter.fr vendredi soir. Et je l'ai reçu lundi. Donc, franchement, ils ont vraiment assuré. Franchement, je suis revenu du boulot ce matin, j'ai dit putain, je l'ai déjà quoi, sérieux, c'est la première fois que j'ai un colis aussi vite. Bref, trêve de bavarderie. Donc excusez-moi, il va y avoir un peu de bruit parce que j'ai ma mère assistante maternelle, donc il y a des gamins, tout simplement. Donc je vais ouvrir ça bien comme il faut. Hop, c'est parti. Donc c'est un Sarwell. De la collection Six June aussi, comme vous aurez pu enfin, je pense qu'il y en a qui l'auront deviné parce que je suis un grand fan de la marque Six June. Donc alors il est à peu près pareil que celui que j'ai en léopard, mais il a une autre petite particularité, c'est que voilà, il est en... Donc on peut voir avec la lumière, c'est en peau de crocodile. Enfin, c'est pas vraiment de la peau de crocodile, mais c'est effet peau de crocodile. Donc voilà. Donc là, on peut voir la marque Six Dune. Donc voilà, hop. Donc on va défaire ça. Ça, c'est marqué aussi sur la poche ici, la marque Six Dune. Et ça se présente donc comme ça. Donc en fait, la petite particularité, c'est que là, c'est au niveau des genoux que les peaux de crocodile se font. Enfin... où il y a ce genre de petit effet. Donc c'est plutôt sympa. Il y a des coupures au niveau d'ici. Donc voilà, il y a des coutures et tout. Donc ça donne un côté plutôt esthétique. Il y a des poches arrière. C'est tout noir. Donc c'est ça qui est un peu chiant avec cette marque là. C'est que la plupart du temps c'est noir. Donc c'est pas varié au niveau des couleurs. Donc je vous retrouve tout de suite pour l'essayage. Donc à tout de suite. Donc on se retrouve comme ça. Donc vous voyez, donc ce qui donnerait bien, c'est un t-shirt rouge assez flashy. Bon là il est pas flashy au niveau de la cam, c'est parce que c'est la cam simplement. Donc voilà, avec des bonnes petites chaussures, donc des Supra conseillées pour que ça soit mieux. Donc voilà, montrer comme ça comment ça fait. Bon là c'est parce que je l'ai baissé, j'ai pris du M. Alors faites attention au niveau de la taille, moi je vous conseille de prendre, parce que moi je fais quoi, je fais même pas 1m75, j'ai pris du M, normalement ça doit tomber au genou, je l'ai descendu et j'ai remonté ça parce que sinon ça tombait pas au genou, donc voilà, en fait c'est un Sarwell tout simple, avec juste la petite particularité de l'effet crocodile ici. Je trouve qu'il est classe, il est super, franchement c'est pas parce que j'aime bien la marque Six Dune, mais il est super super souple, très agréable. Par contre il est très fin et il est très doux, mais enfin voilà, il est super bien, super confortable. Donc je vous conseille de faire attention au niveau de la taille. De toute façon sur le site Urban Center il y a quelque chose pour vous aider pour les tailles. Donc après on porte ça comme on veut, donc voilà, je vais faire ça. Donc là la marque Six June, il y a aussi marqué Six June sur le devant, voilà. Donc ça s'arrête au niveau du côté de la jambe en fait, donc voilà. Hop, là, pour faire un tour. Donc après, si vous voulez la remonter, ça donne ça. Ça fait un effet beaucoup plus serré. Ça fait moins Sarwell. Ça fait plus jean moulant. Donc ça fait plus slim qu'autre chose. Vraiment, le Sarwell, c'est quelque chose à la base qui est fait pour être descendu. Que ça fasse un entrejambe assez baba cool. Donc après, voilà.
Après, si on descend tout, les trucs, enfin, l'effet crocodile tombe au tibia, donc c'est pour ça qu'il faut remonter un peu. Et qu'au niveau du mollet, ça soit un peu plus serré. Parce que c'est ça aussi la base du sarwell, c'est que ça soit ample ici, à l'entrejambe, et serré au niveau du mollet et tout. Donc voilà. Donc pour ceux de ma taille, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais vous conseiller entre le S et le M. Ça dépend si vous êtes fort au niveau des hanches, au niveau du fessier, au niveau des cuisses, au niveau des mollets. Si vous êtes assez fort de ce côté-là, prenez du M. Si vous êtes vraiment comme ça, prenez du S. C'est mieux pour vous, je vous le conseille. Donc bah, c'est terminé pour cette vidéo de réception du jour. J'ai pas encore de page internet parce qu'il y en a qui me l'ont quand même demandé. J'ai pas de page internet, mais je compte pas en faire parce que c'est vraiment pour mon plaisir personnel que je présente mes habits. Enfin voilà quoi. J'aime bien montrer ce que je m'achète, donner mes avis aux personnes qui vont peut-être acheter sur le même site que moi. Donc allez sur Urban Center, c'est un des meilleurs sites. Ils sont pas chers, il n'y a pas de frais de port à payer. Vous recevez ça vachement vite. En 3-4 jours, vous avez votre colis. Je vous conseille de commander ça dès le. Enfin, comment dire? En plein week-end, pas dans la semaine, parce que sinon, ça va être long dans la semaine avec les cours, tout le tralala. Donc, bah voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas de regarder mes vidéos. Parce que, quand même, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent ce genre de vidéos parce que pour des personnes, c'est inutile. Donc, je vous remercie vraiment. Parce que bah, y a quand même des petits abonnés qui se ramènent de temps en temps. Donc c'est super sympa. Donc je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle réception. Ciao, bye bye.